Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. À la fin du dernier épisode, je vous ai laissé devant une énigme de glyphes en 5x5. Le sudoku d'Andromède. Donc, je pense avoir trouvé la solution. Mais je vous avoue que j'ai comme un stress. Bon, on va la tester. Yes! C'était la bonne. Waouh. Ça m'a pris une dizaine de minutes à peu près. J'ai essayé de bien contrôler deux ou trois fois pour que chaque glyphe était bien comme il faut, tout ça, tout ça. Donc ce truc là a été activé, bah c'est parfait, ça fait plaisir. J'avoue que j'ai eu comme un coup de stress, mais bon, vu que c'était pour activer une console, je pense pas que les conséquences auraient été aussi dramatiques que la dernière fois où on s'est carrément raté un loot qui devait forcément être super intéressant. Donc on va reprendre notre quête active principale, on va dire, qui était de rentrer dans la base des cartes, essayer d'éviter de casser le nomade bien entendu sur la route. Donc apparemment l'entrée est par là-bas. D'accord, donc on a ce gros monolithe pointe vers ces deux endroits. Il va falloir qu'on aille les explorer. Ça va certainement du coup nous ouvrir une entrée au centre. J'imagine. Là. Les renforts qui sont amenés apparemment là. On va essayer de le contourner. Pas trop envie d'aller les affronter. On pourrait aller activer les autres monolithes hein, sur la route, mais plutôt essayer de m'approcher de l'entrée secondaire des cartes. Leur base elle est immense. Je crois qu'il faut regarder. Navette de cartes un peu partout dans le coin. Il est discrètement à travers neige. Wow. Bon bah on va sur la route, j'ai l'impression. On va s'en approcher pour voir. Pour l'entrée elle est au niveau de ce monolithe. C'est pas impossible. Chercher les glyphes. A priori, il va falloir grimper là-haut. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça là? Les reliquats se sont emparés de la zone. Il y a des glyphes. Qu'est-ce que peut devenir? Pas d'autres a priori? Non. Ok. Par où est-ce que je vais pouvoir grimper là-haut? Je détecte une diminution de la température. Oh là. Vérification environnementale. Les températures sont dans les paramètres acceptables. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. C'est pas une très bonne idée, je pense que je suis pas trop bon endroit là. Oh, c'est passé! Magnifique. Pas sûr qui est ce qu'on recherche par là. Par contre j'ai vu que ça se fightait en bas, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a... Il n'y a pas de console ici à activer en fait. Non, on dirait pas. Wow. Et vous sortez d'où vous? Ils m'ont l'air d'être enfoncés. Dans le sol. On va essayer de les attirer vers nous pour les faire sortir. Ah mais l'autre par contre il est toujours me mettre hors de sa vue pour qu'il suive je pense. Vous pensez qu'il est en train de sortir? C'est un vieux bug. Par contre du coup... Ah oh, fuck. J'ai pas beaucoup de vie moi. C'est censé.
l'entrée là-bas, ça a l'air d'être là-bas. Ouais. Du coup, on va aller activer cette station avancée. Je crois que c'est bon. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Peut-être aller revenir pour faire ça. Parce que j'ai peur que ça, ensuite, ça nous fasse rentrer à l'intérieur de cette montagne et que ça risque de nous prendre un bon bout de temps pour traverser ça. La température est en baisse, pionnière. On va refaire le tour. On va s'approcher de ça. Je pense qu'on va faire les deux monolithes qu'on va faire dans cet épisode. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop loin. Ces piliers de glace, les Gesh Azan Baron. Les mains levées au firmament. La température ambiante est normale. Mais je vois pas trop où serait le truc que je cherche. Alors, remarquez, c'est peut-être à côté de là où on a trouvé les glyphes. Hein. Laisse-moi tranquille, toi. Je détecte des températures inférieures à la normale. Jetez un œil à ce truc déjà. Y a rien par ici. Où serait cette console de données? Oh. Ok, la bestiole qui me suit. Je crois qu'on... Je crois qu'on a terminé en fait. Hein. On est à 2 sur 3. 2 sur 3. Je pense que les glyphes, c'est le petit truc que j'ai trouvé. Peut-être du coup que je m'approche... Un truc carte détruit, on dirait ça. On va aller voir le problème de 8. Oui, il n'y a rien d'autre à faire à celui-là. Je pense même qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Le manuel du nomade indique qu'il est adapté à toutes les conditions climatiques, mais il a seulement été testé dans la Voie lactée. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Hein. Je trouve que c'est assez sympa quand même d'avoir repris l'idée du Mako de Mass Effect 1 et d'avoir transformé du coup le truc en exploration open world, on va dire. Pourquoi êtes-vous venu dans Eleus ? Nous tous ou juste moi ? Je note une étrange revue venant de l'extérieur. Pour la même raison que les autres. Il serait peut-être sage de l'examiner. Ça devait être sacrément convaincant. Une balise ? Ça en valait la peine au moins ? J'espère. Je suis pas en train de faire une connerie là. Je
Charger. Pas mal, on est bien sorti. Ah merde, Jal était par terre. C'est la première fois que ça arrive, je crois. Ah, j'ai plus de munitions moi par contre. Ça c'est pas cool. J'espère qu'il y en a d'autres des munitions par ici. Je capte des relevés anormaux venant de cet Angara. Un scan du corps. Les cartes ont dissimulé une puce sur cet Angara. Une puce de localisation? Tu peux l'inverser pour obtenir des coordonnées? La puce est désactivée, mais avec d'autres scans, je pourrais reconstituer le signal. Donc je suis un peu dans la merde parce que j'ai plus de munitions. La température ambiante est normale. C'est la première fois que ça arrive, ça aussi. Plus de munitions. Pas de caisse de munitions disponible. Ce qu'on peut faire, c'est. Ce sera retourner à la station avancée dans le pire des cas. Et puis au pire, on aura. La balise. Quelle balise? Pas trop de quoi il parle. On va jeter un œil à ce monolithe. Il y aura grand chose ici. Ah, il y a un appareil. Hey, humaine, vous êtes suicidaire? Vous êtes qui? Si vous me voyez, montrez-vous. Vous ne pourriez pas me voir de toute façon. Holger, de la Résistance. Je suis embusqué à 2 km de vous. Vous êtes au milieu d'un champ de mine Kert. Vous n'avez pas vu la balise d'avertissement? Il faut croire que non. Effectivement. C'est l'étrange relevé que j'ai détecté. Une balise codée. Je n'en reviens pas que vous n'ayez déclenché aucune mine. Je ne sais pas non plus comment vous allez sortir de là. Un scan devrait indiquer l'emplacement des mines. Faites vite, les patrouilles Kert passent régulièrement. Si vous y restez, je dirai à la base où trouver vos dépouilles. Merci beaucoup. Canez le champ de mine pour vous échapper. Attendez une seconde, j'ai entendu un truc bipé devant moi là. Putain, on est juste en dessous. Surtout, n'allez pas là-bas. Celle-là ne paye pas de mine. Oh, elle ne paye pas de mine. Putain, Ryder, les vannes quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis maxé sur mes points de recherche de. Les points de recherche. Disparu. Enfin, apparu. Des boucliers. Et une mine disparue. Enfin, apparue. C'est plutôt marrant. Là, une sortie toute tracée de ce champ de mine. Félicitations. Merci d'avoir attiré les cartes ici. Ils vont vouloir poser d'autres mines. Je vais leur faire payer très cher. Au plaisir, vous croisez à la base un de ces quatre. Terminé. On va essayer de s'approcher de ce gros truc. Pas trop l'impression que les températures environnementales ne dépassent pas les limites acceptables. Il cherchait les glyphes avec le scanner, c'est vrai. Les systèmes de survie sont stables. Peut-être que je vais pouvoir grimper un peu jusque là-haut. Boost. Il est vraiment cool ce nomade. Hein. Ah, une fois que je suis là, je peux pas aller plus haut. Non.
priori, les glyphes sont pas par ici. Oh merde. Bon, bah ça c'était pas très malin. J'espère que je vais arriver à remonter. Non, ça a pas l'air de très bien. Si, c'est bon. Par contre, j'ai la chance que l'environnement soit sûr ici. Hein. Bon. En tout cas, il y a des glyphes à trouver dans le secteur, c'est quasiment certain. Peut-être juste suivre l'indicateur de quête. Ben voilà. C'est au moment là qu'il fallait aller depuis le début. Il y a une grosse bestiole encore. Elle m'a pas suivi. Bien joué. Bon, allez. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que j'ai toujours pas de munitions, moi. Oh putain, rebelote, quoi. Je crois qu'on va devoir chercher les autres dans le coin. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Il y en a une par là. Il y en a une là. Probablement devoir utiliser ces piliers pour grimper. On met là. 1, 2. Ça devrait marcher. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Faut pas que ça soit vomitif. Hein. Ok, bon celui-là, qu'est-ce qu'on a? On en a trois ici, voyons voir. Avec ces deux indicateurs-là, celui-là, il n'y est pas. Ça peut être ça, effectivement, ici. Parce que c'est quoi l'autre signe qui me manque? Ça peut pas être celui-là, mais il est déjà sur cette ligne. Ça peut pas être celui-là. Ça peut pas être celui-là parce qu'il est déjà sur la ligne. Donc c'est forcément celui-là. Du coup, celui qui me reste, c'est... c'est celui-là. Ok. Un enfer. Deux. Ensuite, par ici. Je sais que ça peut pas être le E, donc le E est forcément ici. Et le E, c'est pas vraiment un E. Du coup, il n'y a que celui-là qui est disponible ici. Ensuite, voyons voir. Le E et le A, merde, ils sont déjà tous les deux sur la ligne. Ça m'aide pas. Le Y peut pas être ici, donc il est forcément là. Ok, donc ce qui nous fait qu'il reste que celui-là. Ensuite, voyons voir. Le E est déjà dans la ligne, le Y est déjà dans la ligne, donc ça m'aide pas. Je peux pas débloquer ça. Voyons voir. Est-ce que j'en ai un autre? Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ces deux traits, mais il peut être ici ou ici, dans les deux cas. Donc ça va pas m'aider non plus. Ça, c'est insolvable pour l'instant. Il y aurait peut-être cette ligne-là, voyons voir. Le Y peut pas être là et il peut pas être là, donc il est forcément là. Ah, donc, ce qui me reste, E est déjà en place, les doubles barres sont... Ah. Mais bon, moi ça m'a permis de trouver celui-là. Du coup, le Y peut pas être là, donc il est forcément... Non, il peut pas être là, non. Oui, mais il est déjà là, je suis con. Ça m'aide pas non plus. Le E peut pas être là. Ce truc là est forcément. Eh ben non, il est déjà ici. Ça me dépanne pas. Ces trois signes là me permettent pas de résoudre ça. Est-ce qu'il m'aide à résoudre celui-là?
Le E peut pas être ici. Il peut pas être ici, donc il est forcément là. Ok. Si c'est le E qui nous reste, le Y est déjà en place. Ce truc-là est déjà en place. Donc ces trois signes-là ne mettent pas. Ces deux signes-là ne mettent pas. Donc pas en résoudre les deux derniers pour l'instant qui sont ici. Du coup, on a dit que le Y pouvait pas être là et là. Il peut pas être là. Voilà. Les deux barres, elles peuvent pas être là. Elles pourraient être là, mais elles pourraient être là aussi. Ça, ça m'aide pas. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Voyons voir. L'espèce de lambda, par exemple. Pas être là. Pas non. Si j'ai ce lambda ici, ça veut dire qu'ici j'ai signe là. Du coup, ça m'aide un peu, mais pas tant que ça. Je mets le lambda ici. Reste. Là, qui n'est pas là, effectivement. Alors, quel est le seul signe qui me manque? Cette ligne. Celui-là qui me manque. Et le signe qui me manque ici. Vous avez déjà. Là. Là. Là, n'y était pas. Et il n'est pas sur cette queue. Donc, ici, quel est ce qui me manque? Le lambda. Il n'est pas là. Le E est là. Les doubles traits. Voilà, donc a priori, je suis bon. Ah, merde. L'interface a échoué, pionnière. Les systèmes de défense s'activent. C'est que j'ai presque plus de munitions moi dans l'histoire. On va sur le copain. Ok, il nous reste deux assembleurs. Ça veut dire qu'il faut que je la refasse, c'est ça? Il faut bien que je la refasse. Fuck. Le truc, c'est que si je coupe la vidéo, vous allez avoir un épisode que de 24 minutes, quoi. Donc ça serait un peu la blast, quand même. Donc je vais essayer de la résoudre en direct, à nouveau. Oh, ça m'emmerde pour vous. Et tout faire sauter, ça marchera pas, hein. Le truc, c'est que je vais être obligé de retourner à notre épisode derrière, et honnêtement, j'aimerais bien aller me coucher, je pense, parce que c'est tard. Donc bon, je pense que je vais faire un break ici, de toute façon, j'ai peur, vu que je suis fatigué, de faire que des conneries. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder là. Je reprendrai l'enregistrement plus tard de la suite. Je ferai du coup la résolution de cette énigme hors caméra. Et comme ça, je pourrai profiter directement de l'activation du monolithe, en espérant que je me brêle pas une deuxième fois. Mais bon, je vous le dis, c'est juste la fatigue, hein. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Désolé s'il est un petit peu plus court du coup. Faites une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous !